Coucou Ellie, coucou. Toujours à fond. Donc nouvelle vidéo. Sur ton bras. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Passé sur ton bras. Mais qu'est-ce que c'est? Tu nous dis qui c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un tatouage. C'est un tatouage de la Reine des Neiges. Tu nous montres. Tu vois comme il est beau. On le voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Fais voir ma puce. Ah là on le voit bien. Un superbe tatouage de la Reine des Neiges qu'on avait eu en cadeau dans un petit œuf d'une vidéo précédente. Il est beau hein? Ouais, t'es fier. Oh, il est beau mais... pas dans le bon sens, elle peut pas le voir. J'ai tourné. Elle dit allez, oh, on s'en fout du tatouage, on passe à la suite là. Oh, oh. Bon alors, on a un accessoire aujourd'hui. C'est un verre d'eau. Et à quoi ça sert les verres d'eau? Moi je sais, à boire. C'est pour boire? Mais nous, on va pas boire aujourd'hui. On va mettre un cadeau dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met d'habitude? Un bébé dinosaure. Une version mini. On n'avait pas eu la petite version. Et nous, on n'avait pas eu. Alors, c'est toujours le même principe, hein, parce que nous, on est des fans. Donc, c'est toujours 48 heures, il me semble. Voilà, donc on va mettre l'œuf dans l'eau, comme d'habitude, parce qu'Ellie, elle adore les œufs de bébé dinosaure. Il n'y a pas que nous, hein. Ellie adore quand même. Donc, on va le mettre dans l'eau pendant 12 à 48 heures. Ça sera certainement plus 12 que 48, voire 24. Allez, on va peut-être essayer. Attends, 24. Le papier. Ah oui, il faut enlever le papier. Parce qu'Ellie est tellement impatiente qu'on ne peut pas tenir 48 heures, c'est impossible. Donc, on va le plonger dans l'eau. Au bout de 12 à 48 heures, comme c'est spécifié sur la notice, l'œuf va se désagréger. Sur les bulles. Voilà, on le remplit d'eau complètement. Il y a pas rien dedans. Je le mets à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait l'œuf? Il pète? Qu'est-ce qu'il fait l'œuf? Il pète? Il pète? Voilà, donc là. Les dernières bulles s'échappent, si on lâche, voilà. Il coule. Et voilà, donc l'œuf, il est dans son bain. Hein? Il est où l'œuf? Dodo, le bébé dinosaure. Il est là-dedans. Et maintenant, eh ben, on va le laisser comme ça, pendant des heures et des heures. Et comme d'habitude, ça va être très très long pour Ellie. Elle qui aurait envie que ça sorte au bout de 2 minutes, ou même tout de suite. On va attendre? Ouais, hein, c'est long, c'est pas grave, on va attendre un peu. On reviendra plus tard. Hop, allez, on va laisser cet œuf de dinosaure se reposer dans son jus. Le bain, oui. Et on dit à tout à l'heure, les copains. Il est dedans. On reprendra tout à l'heure. À tout à l'heure, les copains. À tout à l'heure, enfin, à tout de suite plutôt. Ciao, ciao. Et coucou Ellie. Et nous revoici au bout de 24 heures. Donc nous avons l'œuf de bébé dinosaure qui est resté dans son verre rempli d'eau pendant toute la nuit et une partie du matin. Donc c'est très gentil de la part d'Ellie. Elle n'a pas du tout touché le verre. Elle a été très patiente. Donc maintenant est venu le moment de casser la coquille. Ouais, on va casser la coquille. C'est ça qui est marrant. On voit d'ailleurs que bébé dinosaure, qu'on a appelé Zor, c'est Monsieur Zor. Voilà, Monsieur Zor. Monsieur Zor a commencé à pointer le bout de... Monsieur Zor. De quoi? De son œil. On dirait un œil. On ne sait pas ce que c'est. En tout cas, il a défoncé sa coquille. Ouais, il a commencé à la casser. Allez. On peut casser. Allez, on va la casser. Tu le vois? Allez, tu l'attrapes?
Tu l'attrapes avec ta main, comme ça? Allez, attrape avec ta main, oui. Il se dit, j'ai le droit de l'attraper. J'ai le droit de faire des bêtises. Ouais. Allez, sors-le. Allez, mets-le sur le sopalin Hello Kitty, tiens. Voilà. Alors, on va regarder ce bébé Zor. Pose-le, ma puce. Ouais, un bout de coquille. Hein. Elle est très précautionneuse, Ellie. Hein. Voilà. Et si tu le casses comme un œuf à la cocotte, tu le tapes comme ça sur la table. Non, mais l'œuf. Casse-le, l'œuf, comme ça. Cla. Vas-y. Allez, vas-y. Tape sur la table. Vas-y. Ouais, ouais, encore. Encore. Ouais. Il a fendu ou pas? Pas sûr. On va regarder de près. Attends. On t'aide? Voilà, regarde, il y a un petit œil qui sort. Il est tout mou. Allez, vas-y, Ellie. Ah, mais il y a du slime, regarde. Slime dégoûtant qui sort. Il y a du gel. C'est du placenta de dinosaure. Allez, sors-le, ce bébé Zor. C'est dégoûtant. Essuyons-nous sur la table. C'est dégoûtant. Tu veux que maman t'essuie? Hey, mais de toute façon, je pense que tu vas en avoir jusqu'à ce que tu me sortes ce bébé dinosaure. Oh. Allez, enlève toutes ces coquilles. Ah, on commence à le voir. Ah oui, on commence à le voir. Alors, il est jaune et un petit peu orange. Il est rose. Il est rose un peu, tu trouves? Non, orange. Non, oh, d'accord, je n'avais pas entendu comme il faut. Et on peut voir que Ellie a de superbes tatouages Reine des Neiges. Ouais, ouais, ouais. Et elle en est très fière, elle veut plus baisser ses manches. Oh! Et oui? Tu lui fais une caresse avec ton petit doigt. Allez, on l'ouvre. Allez, tu me le sors là? Allez, ouvre-le. Tu sais, il a pas bobo, hein, tu peux y aller. C'est dur? Tu veux que papa y t'aide? Regarde, il y a toute cette partie là. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est dégoûtant. Oh, ah, c'est quoi? Baby tête. Baby tête. C'est Allez. Ceux qui ont un cercle autour là. Un tricératops? Un cercle autour. Ils ont un disque autour. C'est des dinosaures disc jockey. Allez, tu me l'enlèves là, cette coquille? Ah oui, c'est un tricératops. Ouais, ouais. Le, un des seuls dinosaures regardez. Que je connaisse. Ah oui. Alors attends, parce qu'il faut le sortir là. Ah. Et, ça y est. Allez, attrape-le. Oh, il est bien dodu, hein. Oh, il est gros. Dégoûtant. Cassé. Et voilà. Monsieur Zor est sorti de sa coquille. On va le regarder de près. Fais voir, maman. Ah oui, effectivement. Il est tout gélatineux. Oh, j'en ai plein les doigts. Elles sont sales, les mains. J'en ai plein les doigts. Oh là là, oui. Bah, c'est un petit tricératops. Mais il est tout fripé encore. Il est tout fripé, puis il est tout dodu. Tiens, ma puce. Tu le laves, le bébé dinosaure? On le met dans l'eau? Tiens, mets-le dans l'eau. Tiens. Mets-le dans l'eau. Mets-le dans l'eau. Ouais. Plouf. Ah oui. Et voilà, comme ça il va se laver. Tiens, essuie tes mains. Essuie. Très bien. Allez, je vais le laver. Donc voilà, donc on va couper là. Et puis on va regarder ce bébé dinosaure une fois qu'il sera tout sec, tout bien lavé. Hein? Allez, à tout de suite.